Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Melik Özden, je suis directeur du CETIM. Je vous souhaite la bienvenue au cycle de conférences que nous avons lancé avec la Ligue panafricaine Oumaja. Notre ami Hamzat Boukhari nous a déjà parlé de Cheikh Anta Diop et Amilcar Cabral. Ce soir, il va nous parler de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise. C'est Fodd Singh de la Ligue panafricaine Oumaja qui va modérer la conférence de ce soir. Pour rappel, le CETIM a consacré 14 publications aux leaders panafricains dans sa collection Pensées d'hier pour demain. Donc, ce soir, on va parler de Patrice Lumumba. Et sans tarder, je passe la parole à Fodd Singh. Merci à Fodd Singh et merci à Hamzat d'être avec nous et nous vous écoutons. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je suis Fodd Singh, militant de la Ligue panafricaine Umoja. Ce live vous est offert par la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation internationale dont l'objet est la promotion du panafricanisme. Et c'est une organisation qui vise la création des États-Unis d'Afrique et la renaissance africaine d'une manière globale. Il est présenté ce live en collaboration avec le CETIM, qui est le Centre Europe Tiers-Monde, une ONG basée en Suisse et qui est également une maison d'édition qui a à peu près une cent-cinquantaine de publications à son actif. Je remercie les auditeurs qui sont avec nous, qui nous accompagnent pour ce live, durant lequel nous allons essayer, avec les éclairages du docteur Hamzat Boukhari, de revenir sur une figure majeure des indépendances africaines. C'est la figure de Patrice Lumumba, dont nous allons parler aujourd'hui, afin de nous remémorer, de revenir un petit peu sur l'histoire, sur le parcours. Et sur voilà, l'impact qu'a pu avoir Patrice Lumumba sur les indépendances africaines et principalement pour la République démocratique du Congo ou le Congo à l'époque. Je laisse la parole donc au docteur Hamzat s'il souhaite dire quelques mots de présentation ou d'introduction. Oui, merci beaucoup à Amélie Cosden et au CETIM pour ce cycle de conférences en partenariat. Merci à Fodd Singh et à tous les militants de la Ligue panafricaine Moja qui sont mobilisés sur la technique. Donc là, c'est la troisième séance. On a eu Cheikh Anta Diop et Cabral, voilà, qui sont deux figures qui n'ont pas exercé le pouvoir d'État en tant que tel. Et donc là, on a aujourd'hui, ce soir, un focus sur Patrice Lumumba, qui a été, de manière trop rapide, le premier ministre du Congo, et qui renvoie à une actualité très importante, puisque la question de la souveraineté du Congo est un enjeu d'actualité. Voilà. Donc, la quatrième séance, donc la dernière, sera consacrée à Kwame Nkrumah, qui lui a eu le temps de développer un projet, un programme politique, dont la question du Congo fait partie. Et donc, où il y a une continuité dans les sciences importantes. Voilà. Je ne sais pas si on a bien entendu. Oui, tout à fait. Donc, je laisse maintenant la parole à Melik Özden du CETIM s'il souhaite rajouter un mot d'introduction avant le démarrage de l'émission. Non, à ce stade, tu n'as rien ajouté, on peut aller directement, on peut continuer. Merci. D'accord, merci bien. C'est l'occasion également pour moi de rappeler à nos auditeurs et à toutes les personnes qui nous regardent qu'il est possible de faire remonter des questions auxquelles le docteur Hamzat Boukhari répondra à la fin des échanges sur la figure de Patrice Lumumba. N'hésitez pas également si vous avez des questions pour Melik Özden du CETIM et nous y répondrons durant
une vingtaine de minutes, une demi-heure avant la fin, avant la clôture de cet échange. Docteur Hamzat Bokhari Yabara, je me tourne donc vers vous pour commencer cet échange sur la figure de Patrice Lumumba. Il serait peut-être bien de restituer un petit peu le contexte, de parler un petit peu des origines de l'homme. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire ou bien pouvez-vous nous éclairer sur les origines, le parcours de Patrice Lumumba avant son entrée en politique? Oui, alors en fait le parcours il est assez intéressant. Donc Lumumba il est né en 1925 au niveau du Congo central. Donc 1925 ça veut dire qu'on est 40 ans après la fameuse conférence de Berlin qui a été marquée par le partage du continent africain en sphère d'influence avec le Congo qui a été donné précisément au roi des Belges en tant que propriété privée. Et qui a ensuite rétrocédé à l'État de Belgique quelques années plus tard. Donc, on est vraiment, je dirais, dans la période où le colonialisme belge est, comment dire, triomphant, et en même temps, dans une période où il commence à y avoir des contestations, puisque 1925, c'est la période où quelqu'un comme Simon Kibangu est actif. On a des mouvements inspirés de Marcus Garvey. On a les congrès panafricains en Europe, notamment celui de 1921 qui avait une session à Bruxelles où on avait parlé de Paul Panda Farnana comme le premier intellectuel congolais. Donc il naît vraiment dans ce contexte-là au Kassai oriental. Donc voilà, en 1925, en juillet 1925, il va fréquenter différents établissements, notamment missionnaires, et puis embrasser une carrière de journaliste. Il a été correspondant, je pense que c'est assez important de le souligner, à la fin des années 40, début des années 50. Et il va s'inscrire dans comment dire, dans ce qu'on va appeler les évoluer, les émanciper, les assimiler, qui visent en fait à atteindre une catégorie sociale, un statut social plus proche du colon, dans un contexte de système colonial fondé sur l'assimilation. Si des gens peuvent fermer les micros, c'est important. Et c'est assez intéressant parce que ce concept d'assimilation, c'est un peu dans le contexte du Congo, la carotte et le bâton. C'est-à-dire que le Congo, le colonialisme belge a été l'un des pires, l'un des plus brutales, l'un des plus sanglants. Et en même temps, on fait miroiter aux Africains la possibilité ben, justement d'atteindre ce statut social plus élevé. S'ils se comportent bien, s'ils apprennent à manger entre guillemets avec des fourchettes, enfin, vraiment quelque chose de très, comment dire, dégradant vis-à-vis de la culture africaine, des cultures africaines, des civilisations africaines. Et donc Lumumba, au départ, est dans cet idéal-là. Et donc, c'est assez intéressant de voir que les figures, parfois les plus révolutionnaires, font des virages à 180 degrés, sont parfois vraiment dans une logique d'assimilation quasi complète au départ. Et puis à un moment, ont un revirement, un basculement qui les fait changer totalement de bord. Voilà, donc il est, comment dire, engagé dans ce processus d'assimilation. Et au milieu des années 50, ben, il va se politiser dans différents contextes. Donc d'abord, effectivement, dans le cadre de son travail de journaliste. Il va également être à un moment agent comptable dans une brasserie. Et surtout en 1956, il va écrire un essai, Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Alors, il faut savoir qu'à la même époque, il y avait un rapport comment dire, des autorités belges qui indiquait que le Congo ne serait pas indépendant avant 30 ans, 1985. Et Lumumba rentre un peu dans cette même vision.
Et ce qui va le faire basculer 2 ans plus tard, c'est le voyage à Accra. Il va se rendre à Accra. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a vraiment un autre Lumumba. Donc voilà, on va dire pour l'introduction du personnage dans le champ politique, dans le champ historique. Il y a un avant et un après du voyage à Accra, dans la constitution également de son parti, donc le MNC, hein, le Mouvement National Congolais, dont il prend la direction juste avant de partir à Accra en décembre 58. Et au retour d'Accra, ben, on a un personnage quasi transfiguré dont on pourra développer dans la suite de l'entretien ou de la conférence les différentes caractéristiques. D'accord, merci bien. Et effectivement, nous y reviendrons certainement dans les questions suivantes. Mais avant d'y revenir, il serait peut-être un petit peu nécessaire d'analyser ou de voir un petit peu quelle était la situation politique, sociale et économique du Congo à partir de la conférence de Berlin, justement, dont vous avez fait mention, jusqu'à l'entrée de Patrice Lumumba en politique. Comment est le Congo? Comment est-il organisé? Comment est-il géré? Qu'est-ce qui s'y passe sur les plans économiques, politiques et sociaux? Ce qui s'y passe, c'est que le Congo est un vaste territoire, hein, déjà à peu près dans les frontières actuelles, parce que 2,5 millions de kilomètres carrés, qui est, comment dire, confronté dès les années 1880 à pillage au niveau du caoutchouc notamment, qui est le matériel dont l'industrie européenne a besoin par rapport notamment aux pneumatiques, aux voitures, aux métros. Le cuivre également, tout ce qui renvoie donc à l'industrie, comment dire, de la télécommunication. Donc le cuivre de l'époque, c'était le coltan d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important de le rappeler. Et donc le Congo est déjà, je dirais, au centre de cette mondialisation, de cette première mondialisation impérialiste économique, et aussi l'un des réservoirs de matières premières de toutes les puissances coloniale. Il faut savoir qu'on a donné le Congo au roi des Belges puis à la Belgique. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on coupe les micros parce que ça va être très compliqué d'avoir la discussion des gens. Ah, oh oui, tout à fait. On entend des voix. Alors. Voilà. Je crois que c'est bon, j'ai pu couper Merci. le son. Oui. Oui. Donc, je disais que le Congo a été donné à la Belgique parce que justement la Belgique n'est pas une puissance, hein, c'est un pays qui, entre guillemets, n'existe pas. Et que l'intérêt du Congo, qui est le morceau le plus riche du continent africain, c'est d'être donné au pays européen le plus faible, entre guillemets, le plus insignifiant, pour être certain que tout le monde y aura accès. Si le Congo avait été donné à la France en aurait jalousement gardé l'accès rien que pour elle, et tous les autres auraient été exclus. Et donc là, on aurait une guerre des impérialismes autour du Congo. Mais en le donnant à la Belgique, ça permet aux multinationales, ça permet aux Américains, quelque part, d'y avoir un peu accès. Et donc déjà, il y a déjà cette idée que qui contrôle la Belgique contrôle le Congo d'un point de vue politique, économique, stratégique et géostratégique. Un autre élément important, c'est que des multinationales s'y installent déjà de manière assez précoce, qui notamment s'intéressent aux ressources minérales, aux produits agricoles, aux produits tropicaux et déjà aux ressources minières. Et donc, on a un début d'industrialisation du Congo dès le début du XXe siècle, qui fait qu'il y a une continuité entre le système de prédation au niveau du Congo et les régimes économiques et les régimes racistes d'apartheid au niveau de l'Afrique australe. Ce qui explique pourquoi le Katanga, toute la partie méridionale du Congo, est très liée en fait à l'Afrique australe et est vraiment le repère, je dirais, des colons blancs les plus réactionnaires, qui étaient vraiment partisans d'un régime de ségrégation, d'un régime de domination inspiré du modèle sud-africain. Ce qui permet aussi de comprendre que dès cette époque-là, la géopolitique du Congo, elle est liée à la question de l'Afrique du Sud et du régime d'apartheid.
Un autre élément, c'est que d'un point de vue donc économique, les banques et le système fiscal du Congo est directement contrôlé depuis la Belgique, notamment depuis le port d'Anvers, qui est un peu la caisse enregistreuse des ressources du Congo. Donc le principe de l'extraversion des ressources du Congo, la question de la traçabilité des ressources du Congo, tous ces éléments-là, si vous voulez, ne datent pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a vraiment été inscrit dans la durée. L'extraversion économique du Congo, le fait que la sortie des ressources de ce pays ne se calcule même pas à la frontière du pays, mais dans le territoire, on va dire, de prédation, ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est un élément, je pense, aussi important à souligner. Donc, les grandes compagnies, les banques, les multinationales sont présentes. Et donc, d'un point de vue social, on est dans des régimes, comment dire, d'avilissement et de domination, notamment mentale. Ce qui fait que l'Église va jouer un rôle très important dans la domination sur le peuple congolais. Donc, les missions religieuses sont envoyées, notamment aussi bien catholiques que protestantes, avec aussi des partages au niveau de l'Église et au niveau de Bruxelles, pour évangéliser le Congo, qui a une riche histoire spirituelle africaine et endogène, pour, comment dire, diaboliser aussi tous les cultes et tous les éléments qui renvoient justement à cette identité, à cette culture-là, cette culture africaine. Et enfin, s'assurer le contrôle de l'éducation, en sachant qu'il s'agissait de mettre en place une éducation qui ne produise pas d'élite. Parce que le mot d'ordre de la colonisation belge, c'était pas d'élite, pas de problème. Et donc le Congo, la colonisation belge est la colonisation qui a produit le moins, entre guillemets, d'élite ou d'intellectuel. Et ça fait partie du système, ça fait partie du projet. C'est aussi important à comprendre, puisque lorsque l'indépendance arrive, on confie un État qui est bon, relativement, moyennement sophistiqué à des hommes qui, ben, techniquement parlant, n'ont pas les compétences, n'ont pas été formés à gérer un certain nombre de choses. Et on le fait exprès, précisément pour que l'indépendance soit un échec. Donc il y a souvent comment dire, cette comparaison des gens qui disent que c'est comme si on avait donné, entre guillemets, une Lamborghini à quelqu'un qui a pris juste 1 heure de cours de conduite. Et donc c'était vraiment fait exprès et c'était fait aussi dans un sens d'humiliation et d'avilissement des Africains. D'humiliation et d'avilissement et aussi dans l'idée de les rendre incapables de diriger leur propre État, leur propre pays, leur propre gouvernement. Donc du coup, derrière tout cela, il y a une forme de condescendance, de racisme, de paternalisme belge très fort, très développé, dont Lumumba sera un peu la cible privilégiée à travers notamment la presse belge. Donc pas d'intellectuel. Une domination, un pillage, une prédation économique très forte et un léger frémissement dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale à travers les associations d'anciens élèves, notamment au niveau des écoles missionnaires, dont vont sortir quelques figures, notamment Joseph Kasavubu, avec l'association des Bas-Congo, qui repose aussi sur comment dire, des solidarités ethniques, entre guillemets tribales, qui sont aussi des éléments que la colonisation encourage. Que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda ou au Burundi, on joue aussi sur les éléments régionaux, ethnistes, tribalistes, pour s'assurer déjà une forme de domination. Mais dans certains cas, cette domination est confrontée au fait qu'on a aussi des groupes qui sont transfrontaliers. Et donc, dans les années 50, comme au niveau du Congo Brazzaville, donc de l'autre côté, côté français, on voit apparaître des débats par rapport à la question de l'indépendance, et bien évidemment, il n'y a qu'un fleuve qui sépare les deux colonies, donc les idées traversent le fleuve. Et avec les idées qui traversent le fleuve, on a aussi la musique qui traverse le fleuve, et donc on voit aussi apparaître donc les grands orchestres de rumba, de salsa, de musique congolaise,
le TPOK, l'African Jazz, etc., qui représentent un peu, je dirais, l'espace social dans lequel Lumumba va évoluer. On sait par exemple que lorsqu'il part à la conférence d'Accra en décembre 58, le rendez-vous qui lui a été donné par ceux qui vont l'y conduire a lieu notamment dans un bar. Lui-même a travaillé dans un bar et donc il y a toute une réflexion sur la sociabilisation en milieu urbain d'une jeunesse africaine qui ne vit pas dans les quartiers européens. Donc du coup, tout cela donne quelque chose d'assez, comment dire, d'assez particulier, d'assez atypique en termes en termes de portrait de ce qu'est le Congo à cette époque-là et aussi de ce que représente le Congo pour l'économie mondiale. Le dernier élément très stratégique et peut-être plus global, c'est évidemment la dimension géopolitique, puisque en 1945, les 6 et 9 août 1945, le monde a littéralement changé avec les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, et c'est l'uranium du Congo qui a permis aux Américains de fabriquer les deux premières bombes atomiques. Et donc évidemment, l'enjeu autour des ressources du Congo, notamment l'uranium et d'autres minerais stratégiques, devient essentiel. Et dans le contexte d'apparition de la guerre froide, il est vital pour les Occidentaux que le gros Congo ne tombe pas dans les mains de figures qui seraient hostiles aux intérêts, ou qui en tout cas ne collaboreraient pas ou ne se soumettraient pas aux intérêts occidentaux. Donc le Congo est vraiment un morceau essentiel au tournant, enfin à la fin des années 50, au niveau des enjeux stratégiques. Merci, docteur Hamzat Boukari-Yabara, pour ce tableau plus que clair de la situation sociopolitique économique du Congo à cette période. Et cela me pousse à poser la question suivante, c'est celle de savoir, dans un contexte comme celui-là, un contexte où effectivement le colonialisme belge s'emploie à ne pas créer d'élite dans le Congo, d'élite congolaise, locale en tout cas, qui puisse contrecarrer leurs intérêts. Qu'est-ce qui pousse Patrice Lumumba à s'engager en politique? Dans quel contexte est-ce qu'il s'engage? Ce qui pousse Patrice Lumumba à s'engager en politique, déjà, c'est comment dire, le fait qu'il s'inscrit dans des activités d'association, de réflexion. Donc, il écrit donc ce fameux essai en 1956. Il participe aussi, je dirais, à la vie sociale et économique du Congo d'une certaine manière, dans le cas de ses associations. Et il est aussi témoin d'un certain nombre d'injustices. Il voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il assiste à la visite à une visite du roi Baudouin, où le voit justement en image sur une photo à cette époque-là. Donc il est vraiment on va dire entre guillemets dans le Congo qui compte sans être véritablement célèbre. Il est connu, mais il n'est pas célèbre. On sait qu'il est, il est connu un peu des Belges, mais il est connu comme étant quelqu'un qui est dans le système, qui ne fait pas de vagues et par rapport auquel on n'a pas tellement à se méfier. Ce qui va vraiment faire basculer les choses, je pense que c'est vraiment ce voyage à Accra. Donc, en décembre 58, on a comment dire, les camarades du Kenya qui sont invités à Accra. Alors, au niveau du Kenya, il y a une colonisation de peuplement britannique. Et la grande figure qui est Jomo Kenyatta, à ce moment-là, est en prison. Et donc, c'est un jeune militant syndicaliste qui s'appelle Tom Mboya, qui est chargé, on va dire, de mener la délégation de l'Afrique de l'Est et aussi de sélectionner un peu qui va composer la délégation des pays de cette zone-là. Et donc, il y a un premier noyau de personnes qui demandent en fait aux autorités belges de leur donner le nom de leur proposer des personnes pour les emmener en fait à cette conférence panafricaine, puisqu'en fait, la stratégie de la Belgique, c'est d'accepter en envoyant des Congolais assimilés
qui diront aux autres Africains présents à Accra que tout va bien au Congo, que les Noirs se portent bien, que le progrès est là, etc. Et donc les Kenyans, bon, ils discutent avec quelques personnes et au bout d'un moment, ils se disent qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, quoi, parce qu'ils voient bien que le Congo est une colonie fermée, une prison à ciel ouvert. Et de fil en aiguille, ils sont orientés vers Lumumba. Ils le rencontrent, ils discutent avec lui, ils obtiennent son départ. En tout cas, les Belges ne font pas obstruction. Et Lumumba débarque à Accra début décembre 58. Et à Accra, il va rencontrer la crème de la crème, Frantz Fanon, donc de militant martiniquais engagé pour l'indépendance de l'Algérie, qui à ce moment-là est l'ambassadeur de l'Algérie à Accra. Et Kwame Nkrumah, donc le chef de gouvernement du Ghana, qui lui veut mettre en place les États-Unis d'Afrique. Et on est à une époque où toute la partie du Congo et tout ce qui est au sud du Congo est encore sous domination coloniale. Donc tout cet espace-là, il faut le libérer, enfin toute l'Afrique d'ailleurs, quasiment. Mais pour Nkrumah, il a tout de suite perçu l'enjeu stratégique du Congo. Et donc, tout l'enjeu du séjour à Accra, c'est de convaincre Lumumba d'adhérer au projet panafricain, d'adhérer au projet des États-Unis d'Afrique, de faire en sorte qu'une fois revenu au Congo, eh bien, il s'engage pour la libération du Congo et que, à l'indépendance, le Congo, Kinshasa, Léopoldville, soit la base pour libérer le reste du continent africain et que Léopoldville ou Léopoldville notamment, donc Kinshasa, soit possiblement la capitale des États-Unis d'Afrique. Le Congo est au centre du continent africain, on ne peut rien faire sans ce pays-là. Nkrumah le voit tout de suite. Et durant la semaine qui a lieu donc à Accra, il travaille Lumumba. Et lorsque Lumumba revient ensuite à Léopoldville, il donne une conférence, un meeting devant à peu près 10 000 personnes. Où il raconte un peu comment ça s'est passé à Accra. Et à partir de ce moment-là, il entre vraiment dans une démarche d'objectif politique de mener son pays à l'indépendance et de le rattacher à la dynamique panafricaine pour libérer l'intégralité du continent africain. Et c'est très important parce qu'encore une fois, le panafricanisme, il n'est possible qu'en sortant de nos frontières. Souvent, je dis que le panafricanisme, enfin, je rappelle que le panafricanisme est né dans la diaspora, mais de manière, peut-être un peu brutale, vous ne pouvez pas être panafricaniste si vous n'êtes pas sorti des frontières de votre enclos colonial. C'est-à-dire que c'est par les déplacements, les circulations, les voyages que ce panafricanisme-là se construit. Et le fait que Lumumba soit venu à Accra, il a rencontré des militants venus d'un peu partout du continent africain. Ça l'a littéralement panafricanisé parce qu'il a vu qu'il y a une Afrique au-delà du Congo, que l'Afrique, le monde, les enjeux ne se limitent pas juste au Congo et que partout en Afrique, les enjeux dépendent en partie de ce qui se passe au Congo. C'est notamment ce que Fanon dira plus tard en disant que ce qui se joue au Congo, c'est le sort de toute l'Afrique. Et donc, quand il revient à Léopoldville, il a compris ces enjeux-là, à la différence de la quasi-totalité de la classe politique congolaise, qui, elle, regarde plutôt vers le bas, à savoir les questions de région, les questions d'ethnie, les questions de tribalisme, alors que lui, Lumumba, il regarde vers le haut et il voit qu'il y a vraiment tout un continent qui attend que le Congo se lève et qui sait que si le Congo se met debout, c'est toute l'Afrique qui se met debout. Et donc, du coup, là, il y a une dynamique qui s'enclenche, avec évidemment les Belges qui vont être aussi amenés avec les émeutes populaires au niveau de Léopoldville à ouvrir des négociations. Très rapidement, Lumumba, même en étant emprisonné par les Belges, devient incontournable. Donc, on le sort de prison pour l'emmener à la conférence de la table ronde, donc début 1960, où on discute un peu des modalités de l'indépendance. Et il y va notamment avec son proche ami, Joseph Mobutu. En mai 60, il y a des élections que le MNC, donc le parti de Lumumba, remporte.
ce qui lui fait accéder au poste en fait de premier ministre, avec un partage en fait du pouvoir, un bicéphalisme qui donne la présidence à Joseph Kasavubu. Donc c'est cet attelage-là entre quelqu'un, Lumumba, qui est vraiment un nationaliste africain, mais avec une vision panafricaine réelle, soutenu par Nkrumah, par Fanon, Padmore est décédé entre-temps, et Kasavubu, qui lui a une vision, je dirais, plus intérieure des enjeux. Et le paradoxe, si vous voulez, de cet attelage-là, c'est que Lumumba, qui est Premier ministre, est celui qui a en fait la vision internationale. Et Kasavubu, qui est président, c'est lui qui a la vision entre guillemets locale. Or, dans le véritable attelage, c'est le chef d'État, le président, qui a cette vision internationale et le Premier ministre qui s'occupe, on va dire, des affaires intérieures. Et donc, d'une certaine manière, bon, je ne dis pas que ça aurait changé les choses, mais probablement que si. Si Lumumba avait été président et Kasavubu Premier ministre, je pense que les choses auraient peut-être été modulées différemment parce que dans le comportement de Kasavubu vis-à-vis de la chute de Lumumba, je dirais pas qu'il a eu entre guillemets des remords contrairement aux autres Tshombe, Mobutu, etc. Mais la manipulation de l'Occident a été assez particulière pour l'amener en fait à destituer son premier ministre. Mais ça, c'est ce qui adviendra après l'indépendance, qui intervient le 30 juin 1960. Merci, Dr. Hamzat Boukari Abara, pour ces éclaircissements. Et cela m'amène à vouloir vous poser la question de savoir, on fait allusion ici à la conférence d'Accra, durant laquelle Lumumba, justement, va pouvoir s'inspirer des idéaux du panafricanisme. On sait que, par exemple, de la diaspora africaine, on a Georges Padmore, conseiller de Kwame Nkrumah, qui a une vision stratégique, en tout cas du Congo, comme moteur de l'indépendance de tout le continent africain. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails au sujet de cette conférence et sur les mécanismes peut-être qui ont poussé donc Lumumba durant cette période-là à Accra à changer totalement de paradigme et à pouvoir donc retourner au Congo avec une vision panafricaine assez affirmée, parce que c'est un laps de temps qui semble un peu court. Et comment est-ce que cela a pu se dérouler pour qu'il retourne finalement donc au Congo avec ses convictions panafricaines profondes qu'il portera par la suite? Alors, oui, en fait, Kwame Nkrumah, le Ghana devient indépendant en mars 1957 et dès le départ, il dit qu'il faut libérer tout le continent et mettre en place les États-Unis d'Afrique. Donc, c'est le champion du panafricanisme et c'est quelqu'un qui met ses actes en cohérence avec ses idées. Et donc, il a organisé deux conférences en 1958, une en avril, où il avait invité les États qui étaient déjà indépendants à discuter, mais d'État à État, de gouvernement à gouvernement. Et une autre en décembre, où il a invité les mouvements de libération, les partis politiques, les intellectuels, les étudiants, tout ce qu'on appellerait aujourd'hui société civile, à Accra, pour, je dirais, construire le panafricanisme de terrain. C'est-à-dire que la vision de Nkrumah, c'est à la fois du top-down, c'est-à-dire que lui, c'est un chef d'État, donc lui, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut agir. Qu'il faut impulser, donner une dynamique, et en même temps, il faut travailler le terrain. Donc, pour qu'il n'y ait pas de discordance entre la tête et les pieds, ben, il faut une ramification, il faut des ramifications. Et donc, l'enjeu de cette conférence des peuples africains, des conférences panafricaines des peuples, ben, c'était de créer des constellations dans tout le continent pour que tous ceux qui sont venus à Accra, et qui venaient de pays encore colonisés, retournent ensuite dans leur pays, voient ce qu'est un pays indépendant et appliquent chacun dans son territoire une stratégie en lien avec la libération de son territoire, avec en continuité le rattachement donc aux États-Unis d'Afrique. Alors en décembre 58, on n'a qu'une seule première union, c'est l'union Ghana-Guinée, parce qu'en En octobre 58, la Guinée de Sékou Touré a pris l'indépendance et donc immédiatement le Ghana récupère la Guinée et propose une union Ghana-Guinée. Et la logique de Nkrumah, c'est de dire que à chaque indépendance qui est obtenue,
Il faut rattacher immédiatement le pays indépendant à l'Union des États africains. Parce que si on laisse les indépendances se faire, eh bien, on ne fera pas l'unité. Et dans le cas du Congo, le Ghana est un pays, bon, qui a des richesses, qui a des ressources, mais qui n'en a pas suffisamment pour se permettre on va dire, de libérer, de soutenir la libération de tout le continent africain. Et donc l'idée, c'était aussi d'utiliser les ressources du Congo, non plus pour nourrir les multinationales, le capitalisme prédateur, etc., mais pour accompagner les mouvements de libération, et pour faire aussi du Congo le terrain refuge de tous ces mouvements de libération, engagés, dans les luttes contre le colonialisme portugais et contre les régimes racistes d'apartheid. Donc vraiment faire du Congo, du fait de sa position centrale, la plateforme, le quartier général de la libération de l'Afrique. Et donc tout ça, en fait, nécessite d'avoir un homme intègre, des dirigeants intègres, pour appliquer ce projet-là. Et Lumumba, alors même si souvent on raconte qu'effectivement il a été une fois condamné parce qu'il avait piqué un peu d'argent, etc., tout ça, apparaît tout de suite aux yeux de Nkrumah et de Fanon comme quelqu'un d'intègre, comme quelqu'un d'incorruptible, comme quelqu'un qu'on ne peut pas acheter à partir du moment où il est convaincu, où il a des convictions. Et donc c'est vraiment la personnalité de Lumumba qui séduit, qui frappe, qui est très charismatique et qui amène Nkrumah et Fanon à réellement croire en lui, à miser sur lui. Alors à cette conférence panafricaine, il y a d'autres figures, il y a d'autres points qui sont débattus, notamment tout ce qui renvoie à la mise en place d'une sorte de charte des peuples africains, avec tout ce qu'on connaît et tout ce dont on rêve, donc une libre circulation des Africains, l'abolition des frontières, des processus d'intégration à tous les niveaux, etc. Et aussi, comment dire, la mise en place de panafricaines à plusieurs niveaux. Une panafricaine des journalistes, une panafricaine des entreprises, c'est-à-dire des fédérations qui structuraient un peu tous les secteurs socio-professionnels africains. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont été débattus un peu à Accra. Et en dernier lieu, une sorte d'organisation des peuples africains et des partis politiques africains qui aurait été, comment dire, une sorte de rassemblement démocratique africain, de RDA, mais avec vraiment une dimension continentale et révolutionnaire sur le plan panafricain. Donc tout ça est vraiment débattu pendant une semaine à Accra. Lumumba fait un discours dans lequel comment dire, il remercie les Ghanéens de l'avoir invité. Il explique qu'au Congo, jusqu'à présent, les Africains n'avaient aucun pouvoir, si ce n'est d'être vaguement consultés, mais uniquement une petite minorité, et que il y a des systèmes de représentation qui sont en train d'être mis en place au niveau donc du Congo, et que donc dans le cadre de son parti, le MNC, eh bien il veut comment dire, s'adresser aux colons belges, au colonialisme, enfin aux colons, au gouverneur colonial, pour dénoncer les injustices. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment fondées sur la dénonciation des injustices, et pour également engager la libération du peuple congolais et l'accession à l'indépendance. Donc, il s'engage en fait lors de ce séjour à Accra à rentrer à Léopoldville et à s'engager dans le processus pour l'indépendance du Congo et pour rejoindre donc le projet de Kwame Nkrumah. Donc, c'est en ça qu'on peut parler entre guillemets d'un acte fondateur lors de ce séjour à Accra. Un autre élément, je pense, qui est assez important, une fois que ce séjour a lieu, qu'il revient ensuite à Léopoldville, les Belges ne sont pas bêtes, hein. Ils ont vu que le gars, il a changé, il a pris une autre dimension, il est sûr de lui. Et immédiatement, la Belgique va demander l'ouverture d'un consulat de Belgique à Accra. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que tous les signaux de la CIA, du MI6, de tous les services de renseignement se mettent en alerte.
en se disant, il s'est passé un truc bizarre. Le gars qui est sorti du Congo, qui est revenu, il y a eu un changement. Il faut qu'on intercepte tout ce qui se passe entre Accra et Léopoldville. Et donc là, on a un début vraiment de surveillance de toutes les communications entre le Ghana et le Congo. Et c'est quelque chose qui est aussi très important puisque la France aussi va rentrer dans le jeu, puisque l'un des enjeux de la France, c'était de court-circuiter comment dire, la Belgique et de préempter un peu la tutelle sur le Congo, le Congo Léopoldville. Donc du coup, la France aussi tente également de manigancer au niveau notamment d'Accra, via en partie Félix Houphouët-Boigny, via aussi d'autres agents qui serviront notamment à recruter les fameux affreux, donc les mercenaires, hein, les Bob Denard et autres, qui agiront au moment des mutineries après l'indépendance. Donc voilà un peu comment, on va dire, Lumumba revient transfiguré de ce séjour à Accra et pourquoi cette conférence panafricaine, elle est importante à ce moment précis. Merci. Alors, cela m'amène à noter qu'il y a des noms de la diaspora qui reviennent assez souvent. On a George Partmore, par exemple, dans l'idéologie panafricaine développée par Kwame Nkrumah. On a Frantz Fanon aussi qui a été cité. Donc, on a un certain nombre de figures de la diaspora, en tout cas, qui ont une certaine influence assez importante sur tout ce qui se fait à cette époque-là. Est-ce que si on essaye de faire un parallèle avec la situation aujourd'hui, est-ce qu'on peut essayer d'envisager un petit peu, d'analyser, de chercher à voir quel peut être l'apport de la diaspora congolaise d'abord, notamment, et éventuellement de toute la diaspora pour la lutte d'émancipation totale qui est encore en cours un petit peu dans un certain sens, que ce soit au Congo ou ailleurs. Dans un contexte, et ce sera le deuxième volet de la question, où on a, par exemple, la situation avec la RDC, l'instabilité qui est générée par tous les rapports avec un certain nombre de pays de la région. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement parvenir à sortir de tout ce carcan-là pour retrouver vraiment le Congo dans la situation qui était planifiée initialement pour ce pays? Qui pourrait être le moteur du changement de toute l'Afrique. Écoutez, dans le contexte de Lumumba, la diaspora qui a tout fait, c'est tout sauf la diaspora congolaise, parce qu'en fait, pour comprendre les enjeux, encore une fois, il faut comprendre la place que, et ça vaut pour tous les pays africains, il faut comprendre la place que notre pays a dans le système international. C'est vrai que la question du panafricanisme, elle est inséparable de la diaspora. C'est depuis la diaspora qu'on peut analyser de manière globale les enjeux. Ceux qui sont au Congo, ils sont, je dirais, dans les enjeux congolo-congolais, comme ceux qui sont au Cameroun, qui sont focalisés sur les enjeux du Cameroun. Mais c'est en étant à l'extérieur qu'on voit précisément quel jeu on fait jouer au Cameroun, quel jeu on fait jouer au Congo, etc. Donc ce sont principalement les Afro-Américains, ce sont d'autres Africains, c'est un peu tout le monde, sauf les Congolais, les premiers concernés, qui ont compris qu'est-ce qui se jouait réellement au Congo, parce que ça avait des répercussions sur leur propre combat. Et ce combat-là, qui était mené dans d'autres territoires, les Congolais eux-mêmes n'en avaient pas conscience ni connaissance. Et c'est en ça que la question vraiment de la diaspora non originaire du territoire, entre guillemets, concerné, est très importante. Elle est très importante. Et c'est ça qui fait le panafricanisme. Maintenant, il y a aussi le fait que dans le contexte, je dirais, donc de l'indépendance, des années 60, il n'y a pas non plus réellement de diaspora constituée en tant que telle, de diaspora congolaise constituée en tant que telle. Et la construction de la diaspora congolaise, ben, va se faire en partie par les réfugiés, donc notamment ben, ceux qui, du coup, sont lumumbistes, ils vont partir sous Mobutu en exil en Belgique, en France, dans d'autres pays, dans l'Est de l'Afrique, etc. Ou soit effectivement une élite Comprador, une petite bourgeoisie Comprador qui ben, va venir bénéficier de son statut dans les capitales occidentales, ou alors troisièmement, le troisième niveau, effectivement une catégorie d'étudiants mobilisés qui, eux, vont effectivement
poser la question du Congo. Mais ceux qui se sont mobilisés quand Lumumba va être assassiné, ben, ce sont des étudiants africains de tout le continent. Ce sont des militants afro-américains, ce sont les gens à Paris, les gens à Londres, à Bruxelles, etc. Voilà, parce qu'au Congo même, l'information est sortie très tardivement. Et le contrôle de l'information faisait qu'on avait plus d'informations sur le Congo en étant à l'extérieur du Congo qu'en étant au Congo même. Et c'est en ça que la diaspora, c'est un relais fondamental en termes d'information de ce qui se passe sur le terrain. Alors aujourd'hui, c'est un peu changé avec les réseaux sociaux, où ceux qui sont, entre guillemets, sur le terrain disent que c'est eux qui ont l'info, etc., tout ça. Mais je pense que c'est quand même un peu plus compliqué parce que les informations sont bidirectionnelles et il faut un suivi en diaspora sur ce qui se dit sur le Congo et au Congo même sur ce qui se passe au Congo. D'où le fait aujourd'hui que des mouvements qui travaillent autour ou sur le Congo ben, vont fonctionner entre guillemets en réseau, donc c'est des Congo Network, etc. Mais qui n'ont pas forcément, je dirais, cette dimension de stratégie panafricaine en tant que telle. Voilà. Maintenant, un autre élément, ce que peut faire la diaspora, ben déjà, c'est premièrement d'être organisé. Je pense que c'est très important d'avoir une organisation, une structuration. Être capable également d'imposer un soft power sur le gouvernement du pays dans lequel elle se trouve, notamment en Occident. Et donc, du coup, d'être capable d'être crédible du point de vue de son discours politique. Ce qui nécessite d'avoir des représentants ou des communautés elles-mêmes structurées crédibles, d'avoir à la fois, je dirais, une objectivité sur la situation, mais en même temps une capacité à prendre position sur la situation. Là aussi, je pense que c'est très important parce qu'on a beaucoup de difficultés, je dirais, à trouver un bon son de cloche et généralement, les diasporas sont, comment dire, déminées. Parce que dans une même diaspora, on peut trouver tout et son contraire. Et donc, pour l'impérialisme, c'est facile de trouver, quand ils ont besoin d'un Congolais qui dit oui, c'est facile d'en trouver un, quand ils ont besoin d'un Congolais qui dit non, c'est facile d'en trouver un. Donc, du coup, il est important d'avoir des positions plus, comment dire, moins insaisissables par ceux, justement, qui ont besoin de réutiliser la diaspora dans leur propre intérêt. Et puis troisièmement, ben, c'est une capacité, je dirais, à faire médiation avec tellement d'autres diasporas, dont les diasporas qui peuvent être originaires des pays avec lesquels le pays d'origine même est en conflit. Donc ça renvoie aux questions, relations, si ce serait sur aujourd'hui, par exemple, ben, diaspora congolaise, diaspora rwandaise. Puisque aujourd'hui, entre la RDC et le Rwanda, on est dans une situation, pas que depuis qu'aujourd'hui, mais dans une situation de conflit politique et de guerre sur le terrain. Et dernier élément, ben, la question de l'économie, puisqu'on est dans une situation de guerre économique et que la diaspora doit également se positionner sur cette question de la guerre économique et être capable de cibler les multinationales ou les entreprises de son pays d'accueil qui ont une politique de prédation, de pillage vis-à-vis du pays d'origine sur le modèle, par exemple, du boycott qui avait été fait par rapport aux entreprises qui travaillaient avec le régime d'apartheid sud-africain. Voilà. Après, il y a sans doute pas mal d'autres pistes, mais ça nécessite vraiment de cibler. Ça nécessite de se donner des objectifs auxquels on se tient dans la durée, parce que c'est souvent ce terme-là qui est utilisé, le protracted struggle, c'est-à-dire vraiment la lutte dans la durée. Et malheureusement, souvent, les gens partent vraiment comme des fusées. Voilà, ils veulent l'action, ils sortent tout de suite, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment un travail dans la durée. Le système auquel on fait face, c'est un système marathonien et qui perdure parce que nous, on part sur des sprints. Alors qu'il faut vraiment s'inscrire dans la durée, quoi. Voilà, maintenant, le dernier élément, c'est évidemment
alors je vais pas dire le back to Africa, mais en tout cas la nécessité aussi ben, d'être en lien ou d'aller ou d'être présent aussi sur place quand c'est nécessaire. Et donc, lors de la conférence de Léopoldville au mois d'août 60, ben, Frantz Fanon fera aussi le déplacement pour voir concrètement les difficultés auxquelles vous m'étiez confronté. Voilà, donc c'est un peu quelques pistes, quelques éléments, quelques réflexions. L'information, la stratégie, la vision globale et la connexion, je pense, avec les autres diasporas. En tout cas, c'est très intéressant. On va retourner à Lumumba et je vais vous prier de bien vouloir nous dire en quelques mots quelle est la situation, donc quels sont les événements qui se déroulent entre le retour de Lumumba de la conférence d'Accra jusqu'au moment de son assassinat en 1961, pour qu'on puisse un petit peu savoir véritablement. Qu'est-ce qu'a pu produire la métamorphose qui s'est faite durant son séjour à Accra, sur son engagement politique notamment, et finalement sur son arrivée sur la scène contre l'impérialisme, contre le colonialisme belge, les résultats qui ont pu être atteints, et donc finalement son ascension et sa chute, si on veut. Oui, alors il revient d'Accra, donc mi-décembre 58. Fin décembre, il y a un grand meeting à Léopoldville où il explique hein, la philosophie du panafricanisme. C'est quelque chose de très important. Dans son meeting, il explique que la philosophie du panafricanisme, c'est la fin du colonialisme et de l'impérialisme. C'est la fin du racisme et des lois de discrimination. C'est la fin du tribalisme et du séparatisme religieux. Et c'est également, comment dire, une reconfiguration, une décolonisation de la chefferie. Il dit clairement les choses. Hein. Donc, bon, une fois qu'il dit ça, bon, il y a tous ses ennemis à gauche, à droite qui ont entendu ça, bon, qui sont un peu inquiets, parce qu'il a compris que le colonialisme, c'est diviser pour mieux régner. Et donc, maintenant, il faut faire prendre conscience aux masses africaines qu'elles sont divisées pour être dominées. Il propose de mettre en place plusieurs commissions qui vont travailler chacune sur ces problèmes-là au niveau du MNC pour apporter des réponses concrètes au peuple. Voilà. Bon, après, il y a le programme politique du MNC qui est mis en place. Il est à un moment arrêté par les Belges, il est coué, on le sort, on l'emmène ensuite à la conférence de la table ronde sur la réclamation des autres dirigeants congolais qui étaient présents à cette table ronde-là. Les élections de mai 60 qu'il remporte, il devient Premier ministre et le 30 juin 60, donc je fais vraiment en résumé, l'indépendance arrive, le roi Baudouin, donc le roi des Belges, fait le voyage à Léopoldville, Kazavubu et le roi font des discours très complaisants, Lumumba lui fait un discours offensif où il rappelle les crimes du roi Léopold II. Il dénonce toutes les injustices de la colonisation, il annonce qu'on va traiter d'égal en égal. Bref, c'est un discours qui est vraiment un discours de rupture. Et le roi des Belges est fâché. Et puis, tous les signaux rouges s'allument à Londres, à Washington, à Paris, à Bruxelles, sur le fait que Lumumba est même pas un nationaliste, mais probablement un communiste. Et donc, dans cette période-là, il y a toute la machine à propagande qui se met en place. Du point de vue idéologique, donc on commence à préparer entre guillemets, les armes de destruction massive, en tout cas les éléments de preuve. Et sur le terrain, on fait tout pour que l'indépendance du Congo soit un échec. Donc dès le 5 juillet 60, on a des mutineries au niveau de l'armée parce que le colonel belge qui gère la force publique explique aux soldats qu'il n'y a pas de différence entre avant et après l'indépendance. Au niveau du Katanga puis du Kasaï, on a des sécessions. Donc, c'est les riches régions minières qui sont presque les plus éloignées, on va dire, du pouvoir central. Et donc là, on encourage notamment Moïse Tshombé, qui devient un peu le grand ennemi de Lumumba, à faire sécession avec le soutien des colons belges et des intérêts sud-africains. Il y a un début, on va dire,
d'insurrection, d'émeutes, de guerre civile qui menacent en fait les ressortissants belges, qui fait que la Belgique déclare qu'elle va intervenir pour sauver ses ressortissants. Entre-temps, Lumumba commence à se tourner vers les Nations Unies en demandant le soutien des Nations Unies puisque son pays est indépendant. Et aux Nations Unies, on le fait un peu tourner en bourrique et du coup, il demande l'assistance de l'URSS, ce qui va accélérer en fait sa chute. Et donc, tout le long du mois de juillet, on est vraiment de crise en crise, de dégradation des relations, dégradation des relations. Fin août 1960, il tente un dernier coup de poker avec une conférence panafricaine pour s'appuyer sur ses alliés africains, notamment le Ghana de Nkrumah et l'Égypte de Nasser. Et là aussi, il y a quelque chose de très gênant, parce que Lumumba, dès le départ, en fait, s'est plutôt tourné vers les institutions internationales, donc l'ONU. C'est quand les choses sont quasiment gâtées, pourries, finies, qu'il se tourne vers les panafricains, vers le Ghana, vers l'Égypte, etc. Qui, eux, en fait, donc le Ghana, étaient intervenus, mais via les troupes de l'ONU, via les casques bleus de l'ONU, mais qui n'obéissent pas au président ghanéen, mais au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc Lumumba était un peu déçu du comportement des troupes ghanéennes, il en attendait davantage. Et lorsqu'arrive la conférence panafricaine, qui est en fait le cadre où on aurait pu avoir une initiative 100% africaine, eh bien, il a des propos assez durs envers les autres pays africains, en disant qu'ils ne font que parler, 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 mais lorsqu'il faut agir, à ce moment-là, il ne croit plus tellement aux pays d'Afrique subsaharienne, il pense plutôt aux pays d'Afrique du Nord, il compte beaucoup plus sur les pays d'Afrique du Nord. Alors, il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte où, dans la première moitié du mois d'août, tous les autres pays, Congo, Tchad, Côte d'Ivoire, etc., sont devenus indépendants, mais sont des néocolonies françaises. Donc, on ne peut pas du tout compter sur eux. Donc, Lumumba a le sentiment que cette unité africaine-là, c'est un peu une unité de chiffon. Lui, il est confronté vraiment à des urgences et des priorités. Et du coup, il y a quelque chose d'assez particulier dans cette conférence-là, d'assez dramatique. Où on voit les limites quelque part du panafricanisme liées au fait que on n'a pas suivi le conseil de Frantz Fanon, qui en décembre 58, lorsque Lumumba était venu à Accra, avait dit: nous devons créer nos propres casques noirs, notre brigade militaire panafricaine, pour que, en cas de conflit, on n'ait pas à s'en remettre aux Nations Unies. Mais bon, Lumumba n'avait pas écouté, enfin n'a pas pris en compte, ou n'était pas dans les conditions de prendre en compte le conseil de Fanon, puisque Lumumba ne contrôlait pas la force publique. Et coup de couteau dans la plaie, il va confier le poste de chef d'état-major à son ami Joseph Mobutu, qui, au moment de la crise, donc début septembre, va contribuer avec Kazavubu, donc à son arrestation, à sa destitution. Donc il sera sous résidence surveillée, il va s'enfuir une première fois, il va être rattrapé. Ensuite envoyé au Katanga avec deux camarades, hein, Okito et Mpolo, qui étaient deux de ses ministres, et ils seront exécutés dans la nuit 16 au 17 janvier 61, par un commando néocolonial, après avoir été torturé par des personnalités belges et congolaises. Donc voilà, les corps seront mal enterrés, déterrés, découpés, dissous dans l'acide. Donc celui qui a fait une partie de cette besogne, donc un mercenaire, va garder une dent de Lumumba. Et une quarantaine d'années plus tard, on le verra dans un documentaire, tout goguenard auprès de son feu de cheminée, sortir la dent de Lumumba, se moquer. Voilà, et donc c'est là que vient justement la question de la dent de Lumumba qui a été restituée l'an dernier. Mais derrière cette dent-là, il y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sang dans l'histoire du Congo. On sait que lorsque John Kennedy apprend l'assassinat de Lumumba, il se prend la tête entre les mains. Il y a une photo qui circule. Et Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général de l'ONU,
qui lui aussi voulait mettre un plan de résolution de la crise au Congo, mais va mourir aussi dans un accident d'avion, probablement un attentat au niveau de la Zambie actuelle, sans doute en lien justement avec la question du Congo. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Lumumba, Kennedy et Amarchkold, c'était probablement les trois hommes les plus puissants de l'époque. Kennedy parce qu'il était président des États-Unis, Amarchkold parce qu'il gérait les Nations Unies, et Lumumba parce qu'il gérait le pays potentiellement le plus riche du monde et au cœur des enjeux géostratégiques. Et donc la crise du Congo va être vraiment un lieu d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Plus tard, les Russes, donc Khrouchtchev, vont dénoncer l'assassinat de Lumumba, mais c'est les Cubains qui vont réellement rentrer dans le jeu parce que pour les Russes, la question du partage du Congo les satisfaisait plus ou moins, alors que pour les Cubains, il y avait autre chose derrière. Il y avait l'idée, par une intervention au Congo, de renouer avec l'historique, puisque la majorité des Africains déportés à Cuba sont d'origine Congo, et quand Castro fait la révolution cubaine, il sait qu'il y a une dette de sang vis-à-vis de l'Afrique. Donc lorsque Lumumba est assassiné, avec Che Guevara, ils envoient Che Guevara au Congo. Le Che rencontre Laurent Désiré Kabila, il rencontre d'autres gars, et c'est un peu le début, je dirais, des grandes aventures. Des grandes rébellions comme celle de Moulélé jusqu'à celle de 96-97 avec la FDL et la chute de Mobutu à ce moment-là. D'accord. Merci, docteur Hamzat Bougaria-Bara. Est-ce qu'on peut dire sur la fin qu'il y a eu une trop grande confiance ou une certaine forme de naïveté de Patrice Lumumba dans la confiance qu'il fait aux institutions internationales, notamment à l'ONU? Et est-ce qu'on peut supposer que l'Union Ghana-Guinée, auquel se serait peut-être joint le Congo à cette époque-là, aurait pu donner un visage totalement différent à l'Afrique aujourd'hui si Lumumba n'avait pas été assassiné en 1961? Alors, sur la confiance en les institutions onusiennes, c'est un piège hein, dont le Congo n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Qu'on voit ceux qui demandent le départ de la MONUSCO, à l'époque la MONUC, ou des casques bleus qui participent en fait au maintien d'une forme de tutelle depuis l'indépendance. En fait, ça renvoie à la question du cadre dans lequel gérer les conflits africains. C'est-à-dire qu'on a considéré que la crise interne au Congo ne devait pas être gérée par les Congolais, mais par la dite communauté internationale dès cette époque-là. Par conséquent, on a émasculé la souveraineté du Congo. On a jugé que les Congolais n'étaient pas aptes, n'étaient pas compétents à gérer leurs propres problèmes. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre jusqu'à nos jours. Donc il y a sans doute je dirais pas une trop grande naïveté dans ces institutions-là, mais Lumumba a fait avec ce qu'il avait à sa disposition. C'est-à-dire qu'il s'est toujours mis dans le cadre de la légalité. Et le problème, c'est que quand vous vous mettez dans le cadre de la légalité, mais que vous affrontez des adversaires qui sont des bandits, c'est très compliqué parce que tout ce que les autres ont fait, c'est de recruter des mercenaires. Tshombe, tous les autres, ils ont recruté des mercenaires. Et Lumumba, lui, ne pouvait pas se permettre de recruter des mercenaires. Donc ça aussi, c'est un parallèle qui renvoie très largement à la problématique actuelle. Voilà, quand vous gérez un État, vous ne pouvez pas avoir recours à des mercenaires parce qu'il y a une armée, il y a une force publique, il y a une autorité incarnée par l'État républicain qui est censée gérer les problèmes. Mais quand vous affrontez des gens qui, eux, ont recours à du mercenariat, ça devient très compliqué. Parce que les mercenaires n'obéissent qu'à ceux qui les payent. Et lorsque vous les payez avec les richesses et les ressources du Congo, vous militarisez l'économie et vous mettez en place tout ce système de prédation qui va ensuite se métastaser avec toutes les milices que l'on voit aujourd'hui dans l'est du Kivu, avec toute cette problématique-là qui date déjà de cette époque-là, à savoir que par l'argent, par les ressources, on peut se construire un destin politique.
Or, Lumumba était quelqu'un de pacifiste. C'était quelqu'un qui croyait en la force du dialogue, en la force de la conviction, de la persuasion. Mais tous les gens autour de lui étaient, comment dire, enfin, pas tous, mais comment dire, étaient des charognards, quoi, tout simplement. Il y avait une volonté de déjà présente de dépecer ce gros morceau qu'est le Congo de la part des puissances impériales et des multinationales et d'en donner des miettes aux différents dirigeants. C'est quelque chose qui date déjà de cette époque-là. Et Lumumba le dit lui-même, on a essayé de l'acheter, on n'a pas pu l'acheter. Il correspond en fait à un nouveau prototype de leader africain que les Occidentaux ne comprennent pas. Le parallèle, ce serait plutôt avec Sylvanus Olympio du Togo, qui lui aussi a été formé dans un cadre anglophone à la London School of Economics, donc un économiste compétent, très compétent et incorruptible. Et ça, quand le système néocolonial tombe sur des Africains qui sont compétents et incorruptibles, c'est des logiciels que le néocolonialisme n'arrive pas à gérer. Donc il les tue. C'était pareil avec Sankara plus tard. Donc Lumumba, il rentre un peu déjà dans ces profils-là. C'est le premier d'ailleurs de la lignée, on va dire, dans ce contexte-là. Bon, il y avait Oumiobé aussi, mais dans un autre contexte. Et d'ailleurs, Lumumba était aussi très proche de Félix Moumié, hein, donc de l'UPC. Il y avait des liens aussi très intéressants. Et l'ONU, en fait, n'obéit qu'au Conseil de sécurité, donc aux grandes puissances. Donc du coup, il s'est, comment dire, il s'est mis hors jeu lui-même de son propre pays. Et c'est quelque chose de brutal et c'est quelque chose de violent. Et ça montre aussi que le Congo n'est pas dirigé évidemment depuis Kinshasa ou depuis Léopoldville, mais depuis ben, d'autres lieux, d'autres endroits. Sur la, comment dire, la deuxième question, je veux bien juste un petit rappel de la deuxième question sur la. Donc le deuxième volet, c'était de savoir est-ce qu'éventuellement on peut essayer de conjecturer sur la physionomie qu'aurait pris l'émancipation, la libération de toute l'Afrique si l'Union Ghana-Guinée avait pu être rejointe par le Congo. Alors, ça aurait été un. Ben, ça aurait changé la face de. Ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça aurait changé beaucoup de choses, puisque à l'époque, le Ghana et la Guinée auraient fait la jonction avec. L'Algérie et le Congo. Donc on aurait eu un certain nombre de territoires à partir desquels on aurait pu mener des guerres de libération, parce que pas mal de personnes pensent que le modèle qui aurait dû être l'indépendance du Congo, c'est comme la guerre du Cameroun, c'est comme la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que le Congo, Léopoldville, aurait dû prendre son indépendance par une guerre. Voilà, beaucoup de personnes pensent que. Beaucoup de personnes. Il y a un certain regard qui irait plutôt dans ce sens-là. La manière dont les Belges ont cédé le pouvoir, c'était fait exprès pour que cette indépendance ne marche pas. Si le cas congolais avait épousé, par exemple, la chronologie de l'Angola ou du Mozambique, avec des guerres de libération d'une quinzaine d'années, là aussi, on aurait eu un tout autre Congo parce qu'on aurait eu un Congo avec un État issu d'un mouvement de libération adossé à une armée de libération. Et donc, on aurait eu un État fort avec une armée forte et non pas, j'irais, une construction sous Mobutu, j'irais, comment dire, téléguidée depuis Washington pour maintenir un équilibre au niveau de cette région-là. Ensuite, ça aurait permis sans doute d'accélérer la chute des régimes racistes d'apartheid. Voilà, donc évidemment, avec des si, bon, ça aurait changé la face de beaucoup de choses. Après, bon, il y a cette fameuse formule hein, qui dit que l'Afrique a la forme d'un revolver avec la gâchette au niveau du Congo, la crosse en Algérie, le canon en Afrique du Sud. Pour la petite histoire, c'est une citation qu'on attribue à Fanon, mais Fanon ne l'a jamais dit. C'est Mobutu qui l'attribue en partie à Fanon. Mais effectivement, le Congo est une gâchette. Et tout l'enjeu, justement, de ce système de domination,
c'est que la gâchette soit constamment enrayée. Donc depuis 6 décennies, le rôle du Congo n'est pas celui qu'on attend vis-à-vis à la fois des Congolaises et des Congolais, et vis-à-vis justement des enjeux du continent africain. Merci. Est-ce que pour en revenir à la question de la dent qui a été mentionnée, est-ce qu'on peut se dire que la restitution de la dent pour des obsèques de Patrice Lumumba et la visite du roi des Belges au Congo peuvent s'inscrire dans une logique sincère de réparer les torts du passé, de reconnaître les atrocités et les crimes de la colonisation belge, ou est-ce qu'il s'agit simplement de mesures de façade sans réelle volonté profonde, quand on sait qu'il y a un certain nombre de protagonistes de cet assassinat-là, belges notamment, qui étaient encore vivants jusqu'à il y a un passé très récent, mais que la justice tarde à se mettre en place de ce côté-là. Et est-ce que d'une manière globale, pour élargir cette question-là, est-ce qu'on peut arriver un jour à imaginer que l'Occident ou les puissances impérialistes parviennent à faire volte-face et à reconnaître les torts de la colonisation, ce qui serait peut-être le départ d'une nouvelle ère? Alors, moi, je pense que la restitution de la dent, elle est. Bon, déjà, il y a une dimension privée, c'est-à-dire que c'est quand même comment dire, c'est quand même un homme qui avait une famille, qui a une descendance. Donc, il y a le lien à la famille qui me semble important. Il y a eu beaucoup de cafouillages et beaucoup de confusion autour de cette procédure. Aussi, je pense, beaucoup comment dire, de points qui ont été un peu invisibilisés parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Belgique est pointée du doigt dans son rôle dans l'assassinat de Lumumba. Il y a déjà eu des commissions, il y a déjà eu des livres, il y a des documentaires, il y a des travaux qui ont été faits. Et effectivement, je pense qu'il doit peut-être rester une dernière personne encore vivante en lien plus ou moins direct ou indirect avec l'assassinat de Lumumba. Tout à fait. Mais on voit bien qu'il y a une volonté d'impunité réelle et que sans justice, bon, ça reste assez léger. Ça reste assez léger. Ensuite, il y a également toute une politique, toute une vision, tout un pays qui a été cassé dans le contexte de l'indépendance. Et donc, ça nécessite. Je dirais d'aller au-delà de la restitution d'un élément de dépouille. Maintenant, est-ce que la Belgique reconnaîtra un jour? Vraiment, fondamentalement, il peut y avoir des reconnaissances, mais je dirais pas que c'est trop tard, entre guillemets, mais je pense que c'est pas. C'est pas que ça, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. La Belgique, le colonialisme belge a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts et de ravages. Il y a beaucoup de choses qui lui sont impardonnables. Donc, est-ce que ce sera des réparations, excuses un peu en package, tout dans le même panier, ou est-ce que ce sera plus ciblé, goutte par goutte, comme on dit? Voilà. Je pense que ça dépendra aussi en partie de la manière dont on éduque la jeunesse belge d'aujourd'hui. D'où le fait que la question des programmes scolaires, de la décolonisation des curriculums et de la question du déboulonnement des statuts, c'est très important. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent que, bon, que c'est du temps perdu, etc., parce que c'est en lien avec ça. Voilà, parce qu'on sait très clairement que l'Occident, l'Europe, est en train de se morfondre sur je ne vais pas dire un péché originel, ce n'est pas tout à fait ça, mais l'Europe, l'Occident souffre d'un péché structurel qui est en train de la faire couler, tout simplement. Il y a un péché structurel et ce péché-là. À un moment, il va, comme le boomerang, il va le revenir dans la face, quoi. Donc, l'enjeu aussi, c'est
de voir dans quelle mesure les diasporas peuvent jouer sur ce volet-là, dans quelle mesure également il nous faut aussi un autre type de pouvoir politique en Afrique qui prenne en main ces questions-là. Parce qu'évidemment, si demain on a au Congo un président qui a réellement une position consciente et éclairée sur ces enjeux-là, ben la Belgique, elle se mettra à genoux, très clairement. Si demain il y a un vrai dirigeant de la trempe dans Sankara, dans ce pays-là, la Belgique se mettra à genoux. Et pas que la Belgique. Donc, aussi, il faut faire arriver à la tête de ces pays des dirigeants qui peuvent tenir ce rapport de force. Là, récemment, je crois, le dernier buzz, c'est la vidéo du président de Namibie avec le président allemand. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où il reçoit le président allemand qui lui parle des Chinois et lui dit les Allemands, ils peuvent venir, ils sont libres de venir. Les Chinois sont là. Pourquoi vous me parlez des Chinois? Regardez-vous comment vous traitez les Africains en Allemagne, etc. Bon, ça fait le buzz, mais ça devrait pas le faire parce que ça devrait être le cas de tous les présidents, de tous les dirigeants, mais de défendre leurs intérêts. Et Lumumba, c'est quelqu'un qui avait la carrure, le charisme justement de tenir ce type de position-là. Mais visiblement, il y a beaucoup de Lumumba en t-shirt, il y a beaucoup de Lumumba scandés, plagiés, mais après, produire des Lumumba, des hommes et des femmes de cette trempe-là, ça nécessite du travail et ça nécessite du temps. Et on a une jeunesse qui est pressée, on a une jeunesse qui veut jouir, qui est dans l'instantané. Des événements symboliques et importants, on les TikTokerise, on les. Voilà, c'est. Mais bon, je pense néanmoins que les choses vont changer dans les prochaines années. D'accord, merci. Donc, deux dernières questions pour terminer. La première, ce serait de savoir, et Roland Lumumba, justement, l'un des fils de Patrice Lumumba, disait que si la Belgique, c'était le loup qui terrorisait le Congo, il y avait d'autres prédateurs. Quelles sont donc les puissances ou bien quels sont les intérêts qui étaient menacés par l'émergence de la montée de Patrice Lumumba et de son discours nationaliste et panafricain, outre la Belgique, ou quels sont les intérêts de l'impérialisme ou du colonialisme, du néocolonialisme qui étaient menacés globalement par la montée de Lumumba et qui justifie son assassinat? Ben, il y avait les intérêts, comment dire, des différents complexes militaro-industriels, notamment américains, ou anglo-canadiens également. Voilà, qui avaient besoin d'avoir une porte d'entrée, sur le Congo, une porte d'entrée, sur les richesses du Congo, soit directement, soit indirectement. Alors, il y avait également des intérêts, on dirait à l'époque, au niveau de la, au niveau de la France ou de l'Europe de manière générale, parce qu'en fait, la construction européenne, enfin, la CEE, donc en 57, incluait notamment le Congo via la Belgique et. Comment dire, il y avait vraiment l'idée de maintenir, je dirais, une dimension européenne du Congo. Voilà. Puis après, il y avait des intérêts privés, évidemment, donc des fortunes privées, belges ou autres, de la haute, enfin, des hauts milieux de la finance et des industriels qui étaient présents là-bas. Des intérêts scientifiques. Puisque le Congo est aussi vu comme un espace entre guillemets naturel, c'est-à-dire qu'effectivement on invisibilise, voire on génocide les populations pour aller profiter des animaux, des paysages, etc. Donc il y a vraiment une dimension d'animalisation du Congo, ce qui fait que le Congolais, c'est justement le baromètre du racisme, voilà, qu'on demande à des gens. Sur le racisme vis-à-vis d'un noir, ben c'est congolais, quoi. C'est vraiment quelque chose de très violent d'un point de vue symbolique. Donc, les intérêts scientifiques,
puisque derrière ces intérêts scientifiques-là, il y a évidemment tout le pillage du musée qui est là-bas, là, Pierre Vuren, Musée royal d'Afrique centrale, et le fait que c'est un soft power de contrôler la culture d'un pays, et le Congo est le pays en Afrique qui a... C'est une puissance culturelle mondiale, quoi. Je pense que le Congo, c'est la puissance numéro un, quoi, d'influence, en termes de dynamisme, enfin, puissance africaine numéro un, en tout cas. Et ça représente beaucoup de choses en termes de, comment dire, en termes d'intérêt, tout simplement. D'accord. Dernière question pour sortir. Quels enseignements le peuple et la jeunesse africaine doivent-ils tirer du combat de Lumumba et de ses idées? L'enseignement, c'est qu'il faut être habile, qu'il faut savoir se donner des objectifs, les atteindre, sans se précipiter, mais en tout cas bien évaluer, je pense, le temps, l'énergie que l'on met dans les objectifs que l'on vise. Donc avoir tout simplement un plan, premièrement. Deuxièmement, savoir effectivement sur qui compter et ne pas compter. Donc, Lumumba, c'est l'un des premiers à rentrer dans ce fameux cancer de la trahison vis-à-vis de Mobutu. Laisser également, je dirais, toujours des solutions de repli possibles. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui me semble important. On a eu des martyrs. Je pense que le temps n'est plus tellement aux martyrs, c'est plutôt à l'efficacité aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de reproduire des Lumumba, des martyrs, etc. Je pense que c'est très important de partir de là où ils se sont arrêtés, parce que trop souvent, des gens veulent reproduire le parcours de ces figures, de Lumumba, de Malcolm X, etc. Alors qu'en fait, il s'agit vraiment de les poursuivre, hein. Comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, quoi. Et aussi s'intéresser à sa pensée politique, voilà, lire un peu son évolution, comment il est passé de quelqu'un d'aliéné à quelqu'un de totalement désaliéné, par le biais politique. C'est très important parce qu'aujourd'hui, moi, je vois dans le panafricanisme, quand j'écrivais mon livre il y a 10 ans, où je voyais beaucoup de personnes qui se moquaient de moi, qui disaient c'est n'importe quoi, etc. Bon, aujourd'hui, ce sont eux qui parfois se disent des plus grands panafricanistes. Voilà, c'est, je pense, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu tout ça, et puis s'engager, quoi. Je pense que s'engager, bon, dans le cas de Lumumba, c'était jusqu'au sacrifice. Voilà, c'est, il a fait ce qu'il fallait faire, il a dit le discours qu'il fallait dire pour marquer l'histoire, le 30 juin 60. Voilà, maintenant il a laissé des pistes pour penser le Congo, pour penser l'Afrique, et il faut les travailler, les élargir, quoi. Merci, merci infiniment pour toutes ces réponses, tous ces éclairages sur la figure de Patrice Lumumba. Je vais remercier l'ensemble des personnes qui nous regardent et les inviter à continuer à poser leurs questions dans la discussion. On pourra y revenir dans quelques instants. Le temps simplement de donner éventuellement la parole au responsable du CETIM, éventuellement, Melik Eusten, pour dire un mot et de partager également quelques petites informations pratiques. Peut-être, Melik Eusten, si vous voulez bien, je vais juste partager rapidement quelques petites informations déjà sur l'ouvrage que vous avez commis sur Patrice Lumumba et quelques informations sur la Ligue panafricaine UMOJA également, avant de vous laisser la parole. Donc, je partage rapidement mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez, si mon écran est visible. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je crois que Hamzat, il a dit l'essentiel. C'est toujours un plaisir de l'écouter.
ses analyses et puis ses connaissances. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, disons, à part que ce livre fait partie de la collection Pensées d'hier pour demain du CETIM. Nous avons publié jusqu'à présent donc 14 livres et Hamzad a présenté donc déjà trois d'entre ces livres et le quatrième, ce sera le 27 avril sur Kwame Nkrumah. Et donc pourquoi ces quatre? Parce que justement, ce sont des leaders panafricanistes et Hamzad est très bien placé naturellement pour nous parler de ces leaders, ces pensées qu'on veut faire oublier aux Africains qui sont les premiers concernés, mais aussi c'est une contribution quand même importante pour toute l'humanité et qu'on présente toujours sous un jour négatif, disons, l'Afrique colonisée, l'Afrique pillée, l'Afrique qui connaît pas ou qui n'est pas consciente de ses richesses ou ses des leaders qu'elle a offert à l'humanité. Donc, c'était aussi une manière pour le septième de faire connaître, avec cette collection, avec des petits formats, de manière très synthétique et résumée de la pensée et l'action politique de ces leaders. Voilà, Hamzad nous a parlé encore ce soir de Patrice Lumumba. On a toujours un grand plaisir de l'écouter parce qu'il a une immense connaissance et puis une analyse remarquable sur ce leader. Si vous me permettez, je vais poser une petite question Oui. sur le Congo à Hamzad, parce que Hamzad nous a dit que le Congo est un pays stratégique pour l'Afrique. Bon, on sait que c'est un très grand pays, on connaît sa géographie, on connaît ses immenses richesses, on sait tout ça, mais pourquoi c'est stratégique pour l'Afrique, le Congo, et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Voilà, je ne sais pas si Hamza pourra nous dire un peu plus sur ce chapitre-là. Merci. Oui, alors en fait, c'est un pays qui, merci Amélie, c'est un pays qui, déjà de par sa position géographique, est vraiment au centre du continent. Pour relier aujourd'hui, même en termes de transport et de communication, les différentes parties du continent africain, on ne peut pas le faire si on n'a pas au milieu un Congo qui lui-même est relié du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc du coup, il y a déjà un enjeu, je dirais, de, comment dire, pas de maîtrise du territoire, mais en tout cas de circulation, de mise en relation du territoire, de connexion des différentes parties du continent africain autour du Congo. Deuxièmement, c'est le pays africain qui a le plus grand nombre de voisins. Et donc, dans des logiques d'intégration, ben c'est le pays qui, si effectivement tous les voisins étaient dans la même dynamique, ben pourrait accélérer l'intégration africaine autour de lui. Il est vraiment au centre du centre de l'Afrique. Deuxièmement. Troisièmement, c'est un pays qui a énormément de ressources et on pense que si toutes les ressources du Congo étaient utilisées, maximalisées ou optimisées, le Congo, à lui seul, suffirait à nourrir, éclairer, développer l'ensemble du continent africain. Voilà. Et quatrièmement, on est sur un espace qui, du point de vue, comment dire, naturel, culturel, spirituel, est très important depuis notamment le 15e siècle et même avant, dans le contexte de la colonisation, de la conquête. Qui renvoie à des cultures, des influences, des représentations qu'on retrouve aussi dans les diasporas anciennes au niveau des Amériques. Donc c'est un peu ces éléments-là qui font que le Congo en tant que tel est
un espace géostratégique, est un pays géostratégique. Après, par rapport à l'actualité, c'est un pays qui a une importante démographie, mais qui est sous-peuplé par rapport justement à la superficie. Et donc, du coup, c'est un pays qui a encore énormément de potentiel devant lui qui peut résoudre ou qui pourrait résoudre beaucoup de problématiques qui se posent aujourd'hui au continent. C'est aussi un pays important parce que c'est un pays qui est inscrit dans l'espace swahilophone, donc la langue swahili, qui est vue comme étant la langue africaine internationale. Donc là, qui le fait plutôt pencher vers l'est de l'Afrique. C'est également un pays stratégique parce qu'on y trouve comment dire, des intérêts venus du monde entier, donc la logique de prédation. Et donc la solution à la prédation globale du continent africain passe par le Congo. En gros, si on guérit le Congo de tous ces éléments-là de prédation, on trouve entre guillemets la solution à l'ensemble de la prédation qui touche le continent africain. Donc du coup, c'est un pays qui est vraiment qui a une clé en fait de résolution de pas mal de problématiques imbriquées. Non, merci pour cette réponse. Juste, s'il vous plaît, Melik Özden, je vais revenir à vous pour un très bref éclairci sur la façon de se procurer justement ces ouvrages de la collection Pensée d'hier pour demain. Comment est-ce on se les procure, sur quelle plateforme? Donc, ce livre est diffusé en librairie en France, en Suisse. On peut commander directement par le site du Septième. On peut envoyer donc les personnes qui le souhaitent ou des gens qui vivent ou de passage en Suisse peuvent passer aussi à notre bureau pour le recevoir. Peut-être un élément important pour les associations. À partir de 10 exemplaires, on fait un rabais important pour la diffusion dans leur réseau. Au cas où. Merci, merci pour ces informations. Donc, encore une fois, merci de nous suivre. Rapidement, quelques informations concernant la Ligue panafricaine UMOJA, dont le docteur Hamzat Boukari Yabara est le président. C'est une organisation qui a pour but la renaissance africaine et l'unité africaine. Le nom UMOJA, justement, est un nom en swahili qui veut dire l'unité et qui œuvre essentiellement, justement, pour le panafricanisme. Il y a un très intéressant magazine, le Panafrican, qui est produit. Il est rendu désormais à son 24e numéro. N'hésitez pas donc à vous abonner et à souscrire pour pouvoir justement profiter de tous ces éléments d'information, de tous ces enrichissements que le docteur, pardon, Hamzat Boukari Yabara nous donne et que toute l'équipe justement du Panafrican Magazine procure. La Ligue panafricaine UMOJA également, c'est plusieurs événements. Ce mois de mars, nous avons notamment le jeudi 23 mars, un événement sur Walter Rodney, justement, qui a tué Walter Rodney, une figure majeure justement de l'Afrique, avec un ouvrage très important, How Europe Underdeveloped Africa, et une contribution majeure pour l'Afrique et le panafricanisme. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages afin de pouvoir voilà, participer à ces événements-là, les suivre, vous enrichir. N'hésitez pas également à adhérer à la Ligue panafricaine UMOJA, qui est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent justement se former. Surtout, il y a un aspect de formation important. Il faut noter que le docteur Hamzat Boukari Yabara dispense
très régulièrement des séances de formation pour les membres de la Ligue panafricaine du Moja. N'hésitez donc pas à nous rejoindre. Je vous partage pour terminer les plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre la Ligue panafricaine du Moja, rentrer en contact avec l'équipe de gestion de la Ligue et donc y adhérer éventuellement ou suivre l'actualité. Il y aura également pour terminer sur le mois de mars un café du Moja. Le 28 mars avec Didier Awadi et Elom Vincé. Donc c'est un café Umoja également qui sera en partenariat avec des artistes engagés pour la révolution panafricaine. Donc les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous suivre sont Facebook, LP Umoja, pardon, France, et vous avez Instagram. LPU France et puis vous avez également le CETIM.ch, le site internet du CETIM en partenariat avec lequel nous organisons aujourd'hui cette émission sur la figure de Patrice Lumumba. Et avant donc de venir à la fin, au mot de la fin, on va prendre quelques questions s'il y en a dans la discussion. Je vais allez, rapidement voir. Alors, nous avons Moreau qui a deux questions. La première, le nom de Lumumba a beaucoup. Je ne comprends pas très bien ce qu'il a voulu dire. Peut-être a beaucoup inspiré, je ne sais pas trop, entre parenthèses, Amérique, mouvement Rasta, Black Muslim, etc. Ah oui, a beaucoup résonné. Le nom de Patrice Lumumba a beaucoup résonné dans la diaspora par rapport à d'autres figures. Est-ce qu'il y a une explication à cela? L'explication, c'est le choc de l'annonce de son assassinat, l'espoir qu'il représentait pour beaucoup de gens dans la diaspora. C'est Lumumba, il est plus jeune que Nkrumah, donc c'est la génération d'après. Quand il est Premier ministre, il a 35 ans. Donc, pour beaucoup de personnes de cette même génération, c'est vraiment l'Afrique victorieuse qui arrive au pouvoir. Et donc, son assassinat a été un choc. Il y a beaucoup, effectivement, de clubs étudiants qui ont pris le nom d'association Lumumba, Club Lumumba, etc. Il y a des enfants qui ont pris le prénom de Lumumba. Il y a Myriam Makeba, d'ailleurs, l'un de ses petit-fils, je crois, qui porte le nom de Lumumba. Il y a une chanson le concernant. Donc, il y a des rues, des avenues de Lumumba un peu partout, l'université Lumumba à Moscou. Et puis bon, très récemment, bon, un peu comme des voleurs là, au niveau de la Belgique aussi, ils ont mis des squares, des places, des plaques Lumumba, mais vraiment après, entre guillemets, tout le monde. Mais c'est quand même assez symbolique de voir que le nom revient et qu'on arrive aussi, je ne vais pas dire à l'imposer aux bourreaux et aux criminels, mais moi je trouve ça bien, je trouve ça bien, de la même manière que on subit leur pont Charles de Gaulle en Afrique, et qu'on leur fasse aussi vivre et entendre nos associations, clubs Lumumba ici. Et puis ça permet aussi de maintenir vivant le nom, d'amener à expliquer qui est Lumumba. Voilà, même si parfois ça peut être détourné, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont prendre le nom de Lumumba dans leur structure, mais qui n'aura rien à voir du tout avec les visions, les idéaux de Lumumba. Voilà, puis il y a la fondation, bon, il y a aussi des trucs plus institutionnels, plus officiels. D'accord. On a une autre question. C'est celle de savoir si vous pouvez un petit peu éclairer le rapport entre Lumumba et Frantz Fanon et revenir peut-être un petit peu sur les bérets noirs, si je ne me trompe pas. L'idée en fait de bérets noirs émise par Frantz Fanon pour la défense en fait des États africains. Est-ce que ce serait une idée pertinente encore aujourd'hui, une telle institution armée? Alors, en fait, Fanon et Lumumba, ils sont de la même année, même génération. Ils sont nés même le même mois, je crois, le 2 juillet pour Lumumba, le 25 juillet pour Fanon. Alors, Fanon, lui, il est partisan de la lutte armée.
Quand il va en Algérie, c'est vraiment la lutte armée. Il faut prendre les armes. Le colonialisme ne recule que devant la force. C'est un rapport de force. C'est la violence, etc. Quand il vient à Accra, il est ambassadeur. Avec Nkrumah, il essaie de le convaincre parce que Nkrumah, lui, c'est un pacifiste. Hein. Nkrumah, lui, c'est Gandhi, un peu comme ça, etc. Et lorsque Lumumba arrive aussi à Accra, qu'il discute, bah effectivement, Fanon, lui, défend vraiment sa position. Il faut mettre en place une armée de volontaires africains venus d'un peu partout du continent et de la diaspora, qui seront présents, un peu comme l'équivalent de ce qu'on appelle légion étrangère ici, hein, mais qui seront présents pour être un corps d'élite, un corps d'appui, de soutien aussi aux armées ou aux mouvements de libération, aussi assurer, je dirais, les gardes rapprochées. Parce qu'au moment des indépendances, les armées, ce sont des armées coloniales. Donc, ce sont des armées qui ont l'habitude de vouer l'autorité aux colons, à l'ancien colon. Et dans la plupart des cas, cette question de la gestion de l'armée va être quelque chose de très sensible et de très problématique. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des brigades panafricaines. Comment dire, formés à la question du panafricanisme, un peu comme les gardes rouges au niveau de, comment dire, de Moscou ou même de la Chine, les petits soldats, qui auraient vraiment cette conscience idéologique en plus justement de la formation militaire. Donc c'était un peu ça l'idée. Bon, malheureusement, ça va pas être mis en place, mais il y aura ensuite ce qu'on appelle le comité de libération de l'OUA qui sera basé en Tanzanie, dans lequel il y aura un peu, je dirais, de ça en termes de structuration, mais pas tout à fait. Donc l'idée, en fait, c'était que la future organisation de l'unité africaine, en tout cas l'équivalent, dans la vision de Fanon, soit constituée avec sa propre force de défense et d'autodéfense, pour que justement chaque pays indépendant n'ait pas besoin d'avoir une armée, mais puisse s'appuyer sur les brigades panafricaines. Parce que si on est indépendant et qu'on est ensemble, on n'a pas besoin d'avoir une armée parce que on n'a pas à se méfier du voisin. On a des brigades panafricaines qui sécurisent tout le monde. Donc c'était un peu ça, je dirais, le projet, la vision de Fanon. Et lorsque Lumumba est assassiné, ben Fanon écrit un article très important, où il dit la mort de Lumumba, pourquoi nous aurions pu faire autrement? Où il explique un peu tout le mécanisme qui aboutit de manière très logique et très lucide à l'élimination de Lumumba, un peu toutes les erreurs qui ont été faites, tout ce qui aurait pu être évité. Et c'est un texte qui est très important en termes d'autocritique aussi du panafricanisme. Je pense que ce qui manque beaucoup au panafricanisme, c'est de l'autocritique, hein, y compris aujourd'hui où les gens sont tout feu, tout flamme, ils partent dans tous les sens, etc. Alors que quand on regarde vraiment ces figures, les Fanon, les Lumumba, les Nkrumah, etc., ils étaient rigoureux, ou les Cabral, mais ils avaient une capacité à poser la question de l'autocritique. Et pour qu'il y ait de l'autocritique, il faut qu'il y ait des cadres, ou des organisations, des partis, et surtout de la formation, parce que si on n'est pas formé, on croit aller dans la bonne direction, mais on va vraiment au chaos le plus total. Donc c'est ça que Fanon en fait met en avant par rapport au cas du Congo, par rapport à Lumumba et par rapport au néocolonialisme derrière. Et puis Fanon, lui, va mourir à la fin de l'année 61, donc les deux sont partis la même année. Voilà. Et Césaire fera une pièce de théâtre où il va les mettre justement en relation, Fanon et Lumumba. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est arrivé à la fin de cette émission sur Patrice Lumumba. On a une dernière question qui arrive. Est-ce que vous voulez bien, docteur Hamzat Boukhari-Abara, prendre la dernière question avant qu'on ne... Oui. D'accord. Donc, la question est, on assiste à une réhabilitation de Mobutu dans la diaspora congolaise, qui avait soi-disant fait face aux attaques de ses voisins. Les projets nationalistes de Mobutu étaient-ils de la récupération de la vision de Lumumba? Alors, la première récupération, c'est Mobutu qui fait proclamer Lumumba héros national. En 66, donc assez tôt.
C'est-à-dire qu'en fait, il récupère un peu la lumière de Lumumba. C'est-à-dire qu'en le proclamant héros national, il crée un peu l'amalgame en disant ben moi, je suis dans la continuité aussi, en tout cas visuellement, métaphoriquement. C'est pas si éloigné aussi, même si c'est différent, de la manière dont Compaoré va à l'international, entre guillemets, récupérer un peu l'aura de Sankara. Voilà, celui qui a fait connaître le Burkina Faso, c'est Sankara. Mais en l'éliminant, Compaoré se pose un peu comme le président d'un pays intéressant, dynamique, etc. Sauf qu'il a éliminé celui qui a rendu le pays attrayant. Donc, du coup, il y a quelque chose d'assez vicieux dans ce premier élément-là. Puis ensuite, la chute de la politique de Mobutu sera assez éloignée de ce qu'ambitionnait ou de ce qu'envisageait Lumumba. Donc, il y aura des résistances, des mouvements lumumbistes qui vont être traqués, éliminés dans le maquis, ainsi de suite, jusqu'aux années, milieu des années 90, où dans le contexte du génocide au Rwanda, on a toute la dynamique de reconquête venue de l'Est qui va porter Laurent-Désiré Kabila au pouvoir, sachant que c'était un ancien, justement, lumumbiste opposant à Mobutu. Et la chute de Mobutu marque aussi une désillusion parce qu'en fait, entre le milieu des années 60 et la chute, le Zaïre était devenu une puissance africaine. C'est-à-dire qu'effectivement, le Zaïre était un pays qui, je ne vais pas dire qui se développait, mais qui en imposait du fait que c'était un peu l'équivalent de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'était un pays qui créait du miracle, qui créait du rêve d'une certaine manière. Mais totalement dans l'annexe, dans le giron des Occidentaux. Ce qui fait que ça peut produire effectivement un sentiment de fierté nationale, de zaïrianité, etc., parce qu'on est un pays qui compte, on a un président, on a une monnaie qui est entre guillemets forte, etc. On a le Concorde, on a des trucs un peu de prestige et de faste. Mais c'est quelque chose qui ne reposait sur rien, puisque ben, du jour au lendemain, on n'a plus besoin de Mobutu, il est malade, on l'élimine, on reconfigure un peu les alliances au niveau de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Et le grand Zaïre qui, entre guillemets, faisait entre guillemets, peur, ben, devient un pays qu'on se partage, qui a plus d'administration, qui a plus d'État, qui entre dans une sorte d'anarchie où on crée justement une nostalgie vis-à-vis, entre guillemets, de ce qui était vu potentiellement auparavant comme un régime, entre guillemets, dur, autoritaire, etc. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal, en sachant que sous Mobutu, il y a aussi toute une... il y a des groupes sociaux qui se sont développés, il y a eu des opposants à Mobutu, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui se sont construits durant cette période-là, et qui du coup ont forcément la nostalgie au moment de la chute de Mobutu. Et qui sont évidemment dans une, pas dans une concurrence, mais qui sont sur leur ligne, c'est-à-dire ben, réhabiliter leur figure à eux, qui est celle de Mobutu, se demander, oui, mais pourquoi on réhabilite Lumumba et pas Mobutu, pourquoi il n'y a pas de rue Mobutu, pourquoi il n'y a pas, etc., pourquoi il est toujours, sa dépouille est toujours au Maroc, etc. Donc il y a effectivement, de manière assez logique, une volonté de réhabiliter Mobutu, mais là où il faut vraiment être très prudent et comment dire, très vigilant, c'est que l'enjeu, en fait, c'est d'écrire l'histoire du Congo. L'enjeu, c'est pas réhabiliter Mobutu, c'est répondre à la lettre testament de Lumumba qui disait que viendra un jour où l'histoire du Congo ne sera plus écrite depuis Paris, Bruxelles, Londres ou Washington, mais depuis le Congo par les fils et les filles du Congo et de l'Afrique. Et pour moi, c'est vers ça vraiment qu'on doit se focaliser aujourd'hui. Parce que si on repart dans des recherches d'idoles régionalistes, tribalistes ou périodistes, je crains qu'on ne mette, entre guillemets, que de la pommade sur une plaie qui continue de saigner. Et aujourd'hui, le Congo continue de saigner à l'Est, mais pas que à l'Est, et depuis beaucoup trop longtemps. D'où le fait vraiment de repolitiser un peu tous ces enjeux, de mettre sur la table concrètement les projets, les visions politiques de toutes ces personnes qui ont traversé l'histoire du Congo,
je dis pas de faire des états généraux, mais de sortir peut-être de cette logique élection, processus électoral, etc. Mais vraiment de reposer quel est le projet pour le Congo, un Congo nouveau. Et ça peut se faire parce que on a des générations qui sont sur d'autres dynamiques, mais ça nécessite d'avoir des personnes strictement focalisées sur cette question. Et la difficulté du Congo, terminé, ben c'est le divertissement. Ben Fally Ipupa, moi je sais très bien, etc. C'est la danse, la musique, etc. C'est aussi des formes de militantisme ou d'ONGisation qui n'ont pas forcément vocation à changer le système, mais à juste permettre de supporter ou de, comment dire, de réduire les choses. Et donc c'est en ça qu'il y a une dimension qui a une nécessité de trouver un certain nombre de noyaux militants panafricains et décoloniaux, mais réellement décoloniaux, pas dans le sens eurocentré, parisien ou bruxellois, plutôt dans le sens latino-américain, avec une logique aussi de théologie de la libération, qui puisse faire ce travail-là d'aggiornamento, d'écrire l'histoire du Congo, parce que ça n'a toujours pas été le cas. L'histoire de Mobutu, tout ça doit être fait. Donc, pour moi, c'est ça l'un des gros chantiers aujourd'hui. On ne peut pas bâtir du politique tant que ce travail-là sur l'histoire n'a pas été fait, même si je sais qu'il y a évidemment des choses qui sont faites avec des historiens comme Isidore Ndiaye et quelques autres. Merci, merci. On a assez largement dépassé le temps imparti pour cette émission, mais je pense que certainement tous les auditeurs ont dû se délecter, comme moi-même, de toutes les informations qui ont été partagées. Merci infiniment, docteur Hamzat Boukari Yapara, pour ce partage d'informations. Merci au CETIM. Et à son responsable Melik Eusten. Je lui laisse la parole notamment pour un mot de la fin, s'il veut bien. Il ne me reste que remercier Fotsing et Hamzad pour cette merveilleuse conférence et soirée qu'on a passée ensemble. Je vous donne rendez-vous donc le 27 avril pour la dernière conférence de ce cycle de vidéoconférences sur Kwame Nkrumah. Voilà, pour des personnes qui nous écoutent. Le rendez-vous, c'est le 27 avril. Et merci encore, Hamzad. Vraiment, mille merci pour tout ce que tu apportes. Et nous avons toujours le plaisir de t'accueillir et t'écouter. Alors, à Merci. bientôt. Bientôt. Oui, docteur Hamzat Boukari Yabara, un mot de la fin. Oui, ben merci. Merci au CETIM, merci aux équipes de la Ligue. Juste petite information, le dimanche 26 mars, je serai au salon du livre de Genève. Je suis invité par le collectif Afrique. Donc, je ne sais pas si le CETIM éventuellement y est. En tout cas, si vous y êtes, je passerai vous saluer. Et puis, si des personnes écoutent, y sont également, ben, ce serait également avec plaisir. On s'y retrouvera. Et la dernière séance, ben, ce sera le 27 avril. Donc, c'est la date de disparition de Kwame Nkrumah. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de tous se retrouver en pleine santé, en pleine forme d'ici là. Merci. Merci à tous, merci aux auditeurs. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire, nous vous attendons sur les plateformes de la Ligue panafricaine UMOJA pour toutes les personnes intéressées à approfondir un petit peu, à apprendre un petit peu plus de l'immense savoir partagé très régulièrement par le docteur Hamzat Boukari Yapara. Merci encore une fois au CETIM, Centre Europe Tiers-Monde, pour l'organisation de cette conférence et au mois d'avril pour la dernière conférence. Bonne soirée à tous. Au revoir.